Et salut tout le monde, c'est l'oncle Buck, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous attaquerons le cas de l'Empire Contre-Attaque. Après le succès incroyable de la Guerre des Étoiles, George Lucas devait impérativement s'occuper de l'empire financier qu'il avait créé, à savoir Lucasfilm. Il ne pouvait pas prendre le temps de réaliser l'Empire Contre-Attaque. Il laissa donc le projet entre les mains de Gary Kurtz pour la production, en qui il avait parfaitement confiance, et à son mentor, Irvin Keschner, pour la réalisation. Lucas leur laissa juste les indications où est-ce qu'il voulait en venir avec cette suite. Pour ce qui est de Kurtz et de Keschner, les deux hommes s'entendaient parfaitement bien. Ils se sont mis parfaitement en accord pour rendre Star Wars plus mature, plus sombre, et de rendre l'histoire de ce film avec un plus grand aspect mystique. Ils engagea à l'écriture du scénario Leigh Brackett, une grande romancière de science-fiction. Malheureusement, cette pauvre dame décéda à l'âge de 62 ans, alors qu'elle était en pleine écriture du scénario de l'Empire Contre-Attaque. Ce fut donc le scénariste Lawrence Kasdan qui fut appelé pour continuer et terminer d'écrire le scénario de l'Empire Contre-Attaque. Lawrence Kasdan, que vous connaissez sûrement pour avoir écrit notre film du jour avec Leigh Brackett, Le Retour du Jedi, Les Aventuriers de l'Arche Perdue, et dernièrement, il a écrit Le Réveil de la Force, et en ce moment, il est sur l'écriture du spin-off sur Han Solo, dont nous n'avons toujours pas de titre. En ce qui concerne les acteurs, nous avons toujours le même casting principal que pour le film précédent, et bien entendu des petits nouveaux que nous découvrirons après. Ah au fait, le personnage de 6PO, C3PO est joué par Anthony Daniels, qui reprendra le rôle dans tous les films Star Wars que nous allons voir. Et celui d'R2-D2 est joué par Tony Baker. Sauf que malheureusement, Tony Baker est décédé en 2016, du coup c'est un autre acteur qui reprendra le rôle. Mais du coup, de quoi parle ce nouveau film? Malgré la destruction de l'étoile noire dans le film précédent, la rébellion est au plus mal. Les rebelles ont été chassés de leur base secrète et sont maintenant traqués et harcelés par les flottes impériales. Ah bah oui, faut pas faire les gros yeux. Vous vous attendez à quoi? Que après avoir détruit l'arme de destruction massive de l'Empire, que vous avez gagné la guerre? Eh ben non, vous avez pas du tout vaincu l'Empire, vous avez seulement réussi à le mettre en boule. C'est bien beau de s'affirmer comme une puissance redoutable, mais maintenant il est grand temps que vous assumez les conséquences de vos actes. Mais quand même, on est seulement au générique défilant et on a déjà un sacré chamboulement. Surtout qu'après que le film précédent nous ait laissé sur ça. Et quant au maléfique Dark Vador qui est cette fois-ci à la tête des forces armées impériales, il est hanté par l'idée de retrouver le jeune Luke Skywalker. Le film débute son histoire sur une planète recouverte de neige et de glace, du nom de Hoth. C'est assez froid. Luke Skywalker a emmené un groupe de rebelles sur cette planète pour se cacher de la colère de l'Empire. Mais lors d'une simple patrouille à dos de tonnes, le jeune Luke est agressé par une créature hostile de la planète. Luke Skywalker a été enlevé. Nos seuls indices, une grosse main toute poilue et toute blanche. Si vous avez vu cette main, veuillez prévenir les rebelles locales. Du côté de la base rebelle, nous retrouvons tous les héros que nous avons laissés dans le précédent film. Sauf que Han Solo a décidé de partir. Ma tête a été mise à prix. Si je ne fais pas Jabba le Forestier, je suis un homme mort. Il est difficile de vivre avec la mort aux trousses. Mais son départ est retardé par trois éléments. Premier élément, la princesse Leia qui veut lui rappeler où est son devoir. Malgré que ça soit une scène de dispute, faut quand même avouer qu'elle est très mignonne et rigolote. Alors pourquoi vous me suivez? Vous avez peur que je ne vous donne pas un petit baiser d'adieu? Autant embrasser un Wookiee. Mais je peux arranger ça. Ça vous ferait pas de mal d'ailleurs. Deuxième élément, le Faucon Millennium est en panne. Oh, mon vaisseau! Bon sang, ça prendra des semaines à réparer. Troisième élément, Han apprend que Luke est porté disparu. Du coup, il décide d'aller le secourir malgré le danger d'une tempête de neige qui approche. Du côté de Luke, il est arrivé à s'en sortir des griffes du prédateur grâce à ses quelques connaissances sur la Force. Mais c'est à ce moment-là qu'apparaît Obi-Wan Kenobi sous une forme spirituelle. Il lui indique de se rendre sur la planète Dagobah, où se trouve un autre maître Jedi du nom de Yoda, pour qu'il puisse continuer et terminer sa formation de Jedi. Serait-ce une hallucination due à la fatigue et au froid? Peu importe. Luke est sauvé par Han Solo, qui le sauve du froid, et le lendemain par les Airspeeders, qui ramènent les deux amis à la base. Une fois rétabli, Luke peut profiter de ce moment de répit pour savourer une nouvelle dispute assez amusante entre Han et la princesse. Sauf que c'est Leia qui finit par avoir le dernier mot pour faire taire l'arrogance de Han. Et comment va-t-elle s'y prendre? Je
que vous avez encore beaucoup de choses à apprendre sur les femmes. Emballe pas. Sauf que pour nos héros, les ennuis ne font que commencer. En effet, l'Empire les a retrouvés par l'intermédiaire d'un droïde sonde. Vador est certain que c'est même là où se cache le jeune Luke Skywalker. Il ordonne donc à sa flotte de mettre le cap sur la planète Hoth. Au vu de la flotte impériale qui approche, les rebelles actionnent un bouclier d'énergie qui les protège de tout bombardement orbital. Vador, mécontent de ce contretemps, décide de tuer le responsable qui a fait approcher la flotte trop près du système Hoth et qui a permis aux rebelles de les repérer à temps. Vador ordonne donc de se remettre à un assaut terrestre qui sera commandé par le général Vierce, joué par Julian Glover, celui qui fera la voix de Aragog dans Harry Potter 2, celui qui jouera Walter Donovan dans Indiana Jones et la Dernière Croisade, et celui qui jouera le grand maître Pycelle dans Game of Thrones. Ah oh bah ça alors. L'objectif des rebelles n'est pas la victoire pour la bataille qui va pas tarder à commencer, mais l'évacuation. Ils doivent juste gagner assez de temps pour permettre à leur transport d'évacuer. Leia se chargera de la supervision des opérations à son poste de commandement, et Luke prendra le commandement du bataillon des Airspeeders. Et quant à Han et Chewbacca, ils se chargeront de la réparation du Faucon. C'est alors que des silhouettes sombres qui font un bruit sourd apparaissent à l'horizon. La Terre tremble. Pas imposant, taille de dinosaure, armature blindée. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter les quadripodes impériaux. Si vous vous rappelez bien, j'avais dit que la bataille de l'étoile noire était la meilleure bataille spatiale de toute la saga. La bataille de Hoth a été pendant longtemps la meilleure bataille terrestre de toute la saga. Elle a été détrônée récemment, mais j'y reviendrai plus tard. Pour dire, l'angoisse est à son paroxysme dans cette bataille. Les quadripodes sont vraiment montrés comme des monstres, imposants, inarrêtables et qui ne laissent aucune pitié aux rebelles. Ces derniers n'arrivent même pas à égratigner un seul de ces colosses. Même aux jambes, ils sont blindés. C'est seulement grâce à l'ingéniosité du jeune Luke Skywalker qu'ils arrivent enfin à en arrêter au moins un, en enroulant un câble de remorquage autour de ses jambes pour le faire chuter et enfin le détruire. Malheureusement, l'appareil de Luke se fait toucher au cours de la bataille, ce qui le force à s'écraser. Mais c'est pas ça qui va l'en empêcher d'en détruire encore un, en le faisant sauter de l'intérieur. Malheureusement, les rebelles sont obligés de battre en retraite. Les quadripodes sont trop puissants, et le général Vierce a détruit le générateur d'énergie qui alimentait le bouclier de la base. Dark Vador peut atterrir pour attaquer à son tour. Han Solo, inquiet pour la princesse Leia, décide de l'emmener à un transport d'évacuation, sauf que leur chemin est bloqué à cause d'un effondrement. Solo décide de l'emmener à bord du Faucon. Ils sont suivis au passage par 6 PO. Quant à Luke, il réussit à atteindre son propre X-Wing, et il sera accompagné par son fidèle ami droïde R2-D2. Sauf que contrairement au Faucon Millenium, il ne part pas rejoindre l'Alliance Rebelle. Il part en direction de la planète Dagobah que Obi-Wan Kenobi lui avait indiqué. Et c'est à partir de là que le film nous propose quelque chose de très intéressant. Il nous fait pas suivre un chemin, mais trois chemins. Le chemin du héros, le chemin du Faucon et le chemin de Vador. Nous allons d'abord nous concentrer sur le chemin du Faucon. Le Faucon Millenium est constamment poursuivi par les forces impériales. Solo en décide de s'en référer grâce à la vitesse lumière pour s'échapper. Sauf que cette dernière ne fonctionne pas. Ah oui, allez voir. Quoi ? Je crois qu'on a un pépin. Mais pas le temps de s'occuper des réparations. Le vaisseau vient d'entrer dans un champ d'astéroïdes. Et qu'est-ce que cette scène est prenante ! Déjà d'une orchestrée par la magnifique composition de John Williams, encore lui, et surtout parce que les astéroïdes agissent de manière complètement imprévisible vu que c'est eux qui détruisent les chasseurs Tie. Ce qui renforce encore plus notre peur de voir le Faucon Millenium se faire détruire par ces rochers qui arrivent aléatoirement. Mais heureusement, ils arrivent à s'en sortir et se réfugier dans une grotte d'un immense astéroïde pour continuer les réparations sur le Faucon. Et j'aime beaucoup ce qui suit. On est dans un enchaînement de scènes d'isolement qui permet de développer une des meilleures romances de toute l'histoire du cinéma. La romance entre Han Solo et la princesse Leia. J'en ai vu certains qui n'aiment pas du tout cette romance. Oui, c'est vrai que la princesse a horreur de l'arrogance de Han Solo, et Han Solo a horreur que la princesse arrive à lui tenir tête, et qu'elle est souvent le dernier mot. Mais d'un autre côté, ce sont des opposés qui s'attirent. Leia est charmée par la fougue et le courage de Han Solo. Quant à Han, il est charmé par le tempérament et le courage de cette belle jeune femme. On peut noter également que ces deux-là ont partagé les mêmes péripéties depuis leur lutte contre l'Empire. De plus, ces deux-là ont quelque chose en commun. Ils n'ont plus du tout de foyer, plus nulle part où s'installer. Leia a été témoin de la mort des siens et de son peuple, ainsi que la destruction totale de sa planète. Et quant à Han, lui, il est pourchassé. Il a sa tête mise à prix par le plus grand baron du crime de la galaxie. Mais peu importe. Ces deux-là ont tellement de points en commun, ont tellement de choses qu'ils partagent qu'ils se comprennent l'un et l'autre. Et au bout d'un moment, ce n'est plus le moment de douter. Ce n'est plus le moment de se retenir.
c'est le moment de relâcher la pression et de laisser parler leurs sentiments. Capitaine, capitaine, j'ai isolé l'accouplement de puissance inversée. Non mais bon sang celui-là, il a le chic pour débarquer dans de tels moments. De toute façon, Rourou, ce bonheur n'aurait pas duré, parce qu'il y a un problème. Les parois de la grotte commencent à trembler et à gigoter dans tous les sens. En redécollant, il découvre quelque chose d'assez horrifiant. Ça n'est pas une grotte. Quoi ? Est-ce qu'ils vont avoir un moment pour respirer ? Intéressons-nous maintenant sur le cas de Vador. Il se passe des choses très intéressantes aussi de son côté. Il s'acharne constamment sur la traque du Faucon Millenium. Quand ce dernier s'est réfugié dans un champ d'astéroïdes, Vador ordonne de détruire les plus petits et de bombarder les plus gros. Quand le Faucon réussit à s'échapper des griffes des Impériaux, Vador punit l'officier en chef pour son échec. Et il engage des chasseurs de primes pour retrouver le Faucon. De plus, on peut noter quelque chose de très intéressant sur Vador par rapport à son environnement et son entourage. Il est tout le temps montré d'une manière imposante. Que cela soit par la caméra qu'il le montre de différents points de vue quand Vador s'adresse à ses hommes, en plongée quand Vador est dos à la caméra, et en contre-plongée quand Vador est face à la caméra. Vador est toujours montré d'une manière dominante. Que cela soit par sa taille, sa voix, sa respiration, la manière de comment est-ce que l'acteur David Prowse le fait tenir, par son allure imposante, tout est montré que maintenant c'est lui qui est aux commandes. Sauf dans une seule scène, celle où on découvre pour la toute première fois l'Empereur, joué par Clive Reville. Non mais regardez-moi cet Empereur, une silhouette encapuchonnée, des yeux brillants dans l'ombre. Il me faisait flipper cet Empereur quand j'étais gosse. Le fait d'entendre sa voix qui résonne à travers la pièce. Il y a soudain un grand trouble dans la Force. Le fait que Vador est obligé de s'agenouiller et de s'incliner devant lui en l'appelant maître, montrant que c'est lui qui domine Vador, montrant que c'est lui le véritable visage du mal. L'Empereur informe Vador ses craintes par rapport au jeune Luke Skywalker, prétextant que la Force est avec ce jeune garçon et qu'il pourrait les détruire tous les deux s'il devient un Jedi. Vador propose donc à l'Empereur de le convertir au côté obscur pour qu'il devienne un allié très puissant. Mais l'Empereur affirme également « Ce serait même un atout très précieux. » montrant que l'Empereur ne considère pas les gens comme des êtres humains, mais comme des objets, qu'il peut utiliser pour ses propres intérêts. Les forces de Vador n'ont toujours pas retrouvé la trace du Faucon Millenium. Ils en arrivent à cette conclusion. « Si le Faucon Millenium est passé en vitesse lumière, il doit être à l'autre bout de la galaxie maintenant. »« Alertez tous les commandements. Calculez toutes les destinations possibles, d'après leur dernière trajectoire connue. » Sauf que le Faucon était là où on s'y attendait pas. Il s'était accroché à un croiseur interstellaire, caché sous le nez de tout le monde. Voyant que la flotte impériale s'apprête à faire un saut dans l'hyperespace, Solo décide qu'il est temps de partir pour trouver un endroit où se poser pour réparer le vaisseau. Lando. Lando, c'est un système ? Non, c'est pas un système, c'est un ami. Lando Calrissian. Après avoir laissé la flotte impériale faire son saut dans l'hyperespace, les voici enfin partis en direction de la planète Bespin, où se trouve ce fameux Lando Calrissian, sauf qu'ils sont suivis de près par un chasseur de primes, payé par les impériaux. En arrivant sur les lieux, on se rend compte que la planète Bespin est une planète entièrement gazeuse, et c'est là que se trouve la Cité des Nuages. On y découvre enfin ce fameux Lando Calrissian, joué par Billy Dee Williams. Tu as un sacré culot de venir ici, après tout ce que tu m'as fait. Je crois que vous n'êtes pas les bienvenus. Comment vas-tu, vieux pirate ? Oh, je suis content de te revoir. Comme vous avez pu le constater, Lando Calrissian est un sacré personnage. Il adore duper son entourage en jouant la comédie, c'est le bon copain, un administrateur, il snob ce qui ne l'intéresse pas, et il adore jouer les beaux parleurs et les charmeurs, surtout quand il rencontre Leia. Bienvenue Leia. Il accepte d'aider Han sur la réparation du Faucon, mais sauf que durant leur balade, C-3PO s'éloigne du groupe et découvre une pièce très mystérieuse. Qui es-tu ? Seigneur, je suis vraiment navré, je ne voulais pas vous déranger, je vous en prie, ne vous le faites pas de... Si on s'intéressait au chemin de Luke maintenant. Luke arrive enfin sur Dagobah, une planète complètement recouverte de marais, à l'environnement des plus hostiles. C'est un drôle d'endroit pour trouver un maître Jedi. Et pourtant, il y fait la rencontre d'un être des plus étranges. Je me demande, pourquoi tu es là ? Je viens chercher quelqu'un. Chercher ? Tu as trouvé quelqu'un, moi je dirais. Malgré le fait qu'on ne connaisse pas encore son nom, ce personnage me fait extrêmement rire dès sa première apparition. C'est un fouineur, bordélique, assez curieux. Ah, et c'est un petit voleur. Oh R2, laisse-lui la lampe. R2 ! À moi ! À moi ! À moi ! R2 !
Bon, malgré cette bonne rigolade, il est temps de revenir à des choses sérieuses. Luke doit impérativement trouver son nouveau mentor. Une fois chez son nouvel ami, Luke n'arrête pas de lui poser des questions sur Yoda, sauf qu'il n'obtient aucune réponse claire. Et c'est au tour de son hôte de lui poser une question simple. Pourquoi veut-il devenir un Jedi? Mais Luke n'est pas sûr de sa réponse. Il dit « peut-être, parce que mon père en était un ». Comment connaîtrais-tu mon père? Tu ne sais même pas qui je suis. Alors je me demande vraiment ce que je fais ici, nous perdons notre temps pour rien. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre quelque chose d'assez inattendu. Le petit être qu'on côtoyait avec Luke depuis tout à l'heure n'était nul autre que... Yoda. Sauf que le maître Jedi refuse de former Luke sur la voie de la Force, au vu de ce qu'il a observé chez le jeune homme depuis sa rencontre, montrant que l'enseignement sur la voie de la Force ne se demande pas, cela se mérite. Je ne connais pas la peur. Tu auras peur. Tu auras peur. L'entraînement du Jedi commence, un entraînement aussi bien physique que psychologique. Yoda enseigne à Luke que le côté obscur est formé par trois émotions, la peur, la colère et la haine, et que si Luke s'engage une seule fois dans cette voie, ça le poursuivra toute sa vie. Luke, sous les indications de son nouveau maître, doit passer une nouvelle épreuve, qui est dans une grotte envahie par le côté obscur. Yoda lui conseille d'y aller sans ses armes, mais Luke y va armé de son sabre laser. Il découvre à l'intérieur de cette grotte qu'il y avait Dark Vador, engage le duel avec lui et l'emporte. Et là, Luke découvre quelque chose d'assez étonnant, mais en même temps de très intrigant. Sous le masque de Vador, il y avait Luke, montrant que Luke s'est battu contre lui-même. Mais au vu de la tête de Yoda, il n'a pas réussi cette épreuve. On peut donc interpréter que Luke n'a pas vaincu son côté obscur, mais l'a renforcé avec plus de violence. Et là, on arrive à mon passage préféré du film et de la trilogie. La scène où Yoda nous montre qu'est-ce que c'est la Force. Le vaisseau de Luke s'enfonce de plus en plus dans les marais. Le doute envahit notre héros. Pourtant, Yoda lui explique qu'il peut toujours amener son vaisseau par la Force. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Mais Luke a l'esprit beaucoup trop embrouillé, il n'y arrive pas, prétextant que le vaisseau est beaucoup trop gros pour lui pour le faire soulever. Et putain ce que j'adore ce qui suit, le récit de Yoda sur la Force. Son énergie nous entoure et nous relie. Nous sommes des êtres illuminés, pas une simple matière brute. Tu dois sentir la Force autour de toi, ici, entre toi, moi, l'arbre. La roche, partout. Si les mots n'ont pas réussi à convaincre Luke, les actes, eux, vont réussir à convaincre tout le monde. Yoda, un si petit maître Jedi, arrive à soulever une immense masse tel un vaisseau par la Force. J'adore putain de merde cette séquence. Elle nous montre bel et bien ce que c'est la Force. Une énergie spirituelle qui régit le destin de la galaxie ainsi que de tous ses individus et qui nous permet de croire qu'on peut accomplir des grandes choses. La phrase que Yoda a dit « fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai » peut s'interpréter de cette façon-là. Il ne faut pas essayer de croire en soi, il faut croire. Luke reprend son entraînement plus déterminé que jamais. Mais pourtant, il va encore une nouvelle fois se faire déconcentrer par une vision de la Force. Il y a vu une cité dans les nuages, ainsi que ses amis qui y souffraient. De peur de les voir mourir, Luke décide de partir à leur recherche et de les sauver. Malgré les interdictions de Yoda et de Obi-Wan, Luke n'écoute pas leur mise en garde, de peur de perdre ceux à qui il tient. Rien ne l'arrêtera, le voici en train de partir pour la cité des nuages. Ce garçon est notre dernier espoir. Non, il y en a un autre. En effet, les intuitions de Luke vont se justifier, Lando leur a tendu un piège. Après que Vador ait torturé Han Solo, Lando les informe des intentions du Seigneur Noir. Où il veut un type dénommé Skywalker. Luke. Le Seigneur Vador lui a tendu un piège. Et nous sommes là-bas. Et Skywalker est en route. Vador a l'intention de mettre Luke en congélation carbonite pour le ramener auprès de l'Empereur. Sauf que comme il s'agit d'un processus extrêmement délicat, il exige qu'on fasse un test sur quelqu'un, et son choix se portera sur Han Solo. Et là nous arrivons à un passage que George Lucas n'avait pas du tout prévu. Je t'aime. Je sais. Putain que j'adore quand des acteurs sont à fond dans leur personnage, qui se mettent vraiment dans leur peau, au point de les rendre vivants. Et tout ça sans que George Lucas l'ait prévu à l'origine. Et j'adore quand des acteurs nous surprennent comme ça. C'est du génie. Et cela s'enchaîne avec une séquence qui est vraiment tétanisante. Bon, Solo a survécu au processus. Il est à vous, chasseur de primes. Et tout est prêt pour que Luke tombe dans le piège. Au moment où il retrouve ses amis, il les suit mais est séparé de R2-D2. La confrontation est inévitable.
La force est avec toi, jeune Skywalker. Mais tu n'es pas encore un Jedi. Ça va faire la deuxième fois que ces deux-là s'affrontent, mais la première fois qu'ils se rencontrent. Luke est enfin face à cet homme qui commande des forces qui ont détruit son foyer, l'homme qui a tué son mentor, et surtout l'homme qui a tué son père. Pour ce qui est du groupe de Leia, Lando décide de changer de camp. Maintenant qu'il a la certitude que les impériaux ne le laisseront pas tranquille, lui et la cité qu'il aime tant. Lando souhaite se racheter en essayant de sauver Han Solo des mains du chasseur de primes. Sauf qu'ils y arrivent trop tard. Solo a été emmené pour être livré à Jabba le Hutt. Mais bon, pas le temps de se reposer sur les lauriers, les Stormtroopers attaquent. Il est grand temps de retourner au Faucon Millennium pour évacuer. Et heureusement qu'ils ont retrouvé R2 au beau milieu de la cité, parce que sinon ils auraient été vraiment dans la... C'est formidable. Bon, maintenant qu'ils ont pu s'échapper, retournons maintenant à ce qui nous intéresse le plus, Luke et Vador. Le duel de l'Empire contre-attaque est un duel que je considère comme le meilleur de toute la trilogie et un des meilleurs de toute la saga. Déjà, il est beaucoup plus dynamique que celui de l'épisode 4. De plus, n'oublions pas la tension de ce duel. Avec Luke qui peine à tenir tête à son adversaire avec ses quelques connaissances sur la force. Vador qui joue avec les émotions de son adversaire pour le faire basculer du côté obscur. Bon, ça permet à Luke de ne pas finir congelé. Du coup, Vador tente une nouvelle stratégie. Il épuise Luke, cette fois-ci par la force, montrant sa supériorité. Il s'acharne sur lui, réduisant de plus en plus son espace vital, qui se réduit à une simple passerelle jusqu'à une poutre. Et quand votre espace vital finit par diminuer jusqu'à un point crucial, eh bien... Au bout d'un moment, ça pique un peu. Le Seigneur Noir utilise sa dernière carte. Une carte qui a chamboulé le monde entier. Je suis ton père. Ce moment est si excitant que je voudrais coucher avec. Ce qui me plaît énormément avec cette révélation, c'est qu'elle est intemporelle. Même sur des enfants, cette révélation marche, même de nos jours. Regardez. I am your father. Luke finit par échapper au Seigneur Noir en se laissant tomber dans un conduit d'évacuation, ce qui le mène à être suspendu au-dessus du vide. Il finit par s'en sortir en appelant Leia à l'aide grâce à la force. Sauf qu'ils sont pourchassés par les chasseurs Tie, et le croiseur de Vador leur barre la route. Ils sont pris entre le marteau et l'enclume. Leur seule solution, c'est la vitesse lumière. Sauf que... Mais toute la gomme ! Oui, la vitesse lumière a été désactivée par les hommes de Vador. On va tous crever. Mais bon, vous savez qu'en cas de problème... Qui c'est qu'on appelle ? Le bricoleur ! Peut-on le faire ? Oui, on peut ! Quelqu'un d'autre. Nos héros ont enfin retrouvé la flotte rebelle. Luke se fait greffer une main robotique, quant à Lando et Chewie, ils partent avec le Faucon Millennium pour retrouver la trace de Han. L'avenir s'annonce plus qu'incertain pour nos héros. Mais ils ont droit maintenant à un peu de repos, pour mieux se préparer pour les grandes batailles qu'ils vont devoir mener. Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque, est objectivement et indiscutablement le meilleur épisode de toute la saga Star Wars. Et a été pendant très longtemps mon épisode préféré, parce que c'est ce film qui m'a fait découvrir la saga Star Wars, alors que j'avais même pas 4 ans. Ah tiens, petite anecdote qui va bien vous faire rire. La première fois que j'ai vu ce film, je l'ai trouvé vraiment génial. Mais je n'avais absolument rien compris à l'histoire. Au point que j'avais vraiment cru que Dark Vador, c'était le gentil, et que Luke, Han et Leia, c'était les méchants. Parce que d'après mes dessins animés d'enfance, les gentils, c'est toujours ceux qui gagnent à la fin. Le thème principal du film est la résilience face à la mise à l'épreuve. Tous nos héros vont être soumis à des épreuves, qui vont devoir affronter et surmonter pour pouvoir continuer leur aventure. Que cela soit la survie sur Hoth, le harcèlement des forces impériales, jusqu'à la confrontation finale. Luke Skywalker est une parfaite représentation de cette thématique. Il a peur de perdre ses amis, et de revivre cette scène-là. Jusqu'à ce que Luke doit faire un choix. Il doit faire le choix entre le bien et la facilité. Et si cette phrase vous dit quelque chose, oui, c'est la même phrase que Dumbledore a dit à Harry Potter dans la Coupe de Feu. Dans toute aventure, au bout d'un moment, le héros doit faire un choix. Et Luke n'échappe pas du tout à cette règle. Il doit faire le choix pour acquérir les connaissances nécessaires pour aller sauver ses amis dans un jour à venir, ou soit aller les sauver au plus vite, malgré sa formation qui n'est pas encore finie. Et on retrouve la même chose dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé. Mais la plus grosse surprise de ce film, c'est bien entendu Dark Vador. Dans l'épisode 4, il était surtout une figure du manichéisme, le grand méchant vêtu de noir, qui kidnappait de jolies princesses pour les emmener et les faire prisonnières dans son château.
Mais dans ce film, Vador est montré sous un aspect beaucoup plus humain, mais en même temps sous une forme beaucoup plus cruelle. Vu que cette fois-ci, il n'hésite même pas à tuer ses propres généraux. L'incompétence et la maladresse, il vous tue. Le pardon et la clémence, il vous tue. Même si vous êtes en pleine histoire d'amour, il vous fera souffrir, jusqu'à vous faire faire une descente aux enfers. Un véritable être sans cœur. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y avait bel et bien quelqu'un sous le masque. Un être vivant. Et quand on se rend compte que c'est le père du héros, l'être idéal que le héros essaye d'atteindre, c'est vraiment chamboulant. Bref, Star Wars épisode 5, L'Empire contre-attaque, est un chef-d'œuvre, encore plus grand que son prédécesseur. Alors que c'est le film qui a le moins de scènes d'action de toute la saga. Et aucun des autres films de la saga n'arrivera à égaler la qualité de ce film-là, qui est juste magistral. Et pourtant, une seule grande personnalité d'Hollywood déteste ce film. Je vous le donne en mille, il s'agit de George Lucas. Et c'est après le succès incroyable de L'Empire contre-attaque que George Lucas va faire ses premiers pas dans une série d'événements qui va amener à une division parmi les fans de la saga Star Wars. Mais je vous invite à découvrir tout ça avec moi dans ma prochaine vidéo où nous attaquerons le prochain film de la saga, Le Retour du Jedi. D'ici là, portez-vous bien, continuez à aimer Disney et les successeurs, et quant à moi je vous dis, salut tout le monde, c'était l'Oncle Buck.